Bonjour tout le monde. Mon nom est Carl Bélanger. Je suis conseiller politique à l'ACPU, l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université, et je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Je veux souligner que ce panel, la genèse de ce panel, vient du comité des francophones de l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université, qui est présidé par M. Serge Jolicoeur, qui ont eu l'idée d'établir un partenariat avec la FQPPU, avec l'ACFAS, dans le cadre du sommet sur le rapprochement des francophonies pour discuter de ces enjeux postsecondaires. Alors, on est bien heureux de ce partenariat et de s'être rejoint à l'ACFAS et de faire partie de leur vitrine des savoirs. C'est une occasion en or de partager les différentes expertises, différentes expériences que nous avons et bien heureux qu'on puisse se parler et discuter des enjeux concernant l'éducation postsecondaire francophone, en milieu minoritaire, en région éloignée au Canada, et essayer de trouver ensemble quelques solutions. Merci d'être là. Merci, Carl. Bonjour tout le monde. Mon nom est Hans Poirier. Je suis, pour ma part, conseiller à la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université. La FQPPU représente 18 associations et syndicats de professeurs permanents au sein de 17 universités québécoises, soit près de l'ensemble des 10 000 professeurs d'université au Québec. Nous sommes très heureux de co-présenter et co-organiser aujourd'hui cette activité sur l'éducation postsecondaire dans la francophonie minoritaire et en région éloignée, en collaboration avec l'ACPU et l'ACFAS. Évidemment, le français étant la langue commune du Québec, les enjeux liés aux questions linguistiques en enseignement supérieur ne nous affecte pas de la même façon que certaines communautés francophones des autres provinces canadiennes. Néanmoins, la FQPPU souhaite envoyer le signal à ses collègues qu'elle est solidaire des luttes menées par les universitaires canadiens en ce qui a trait à la défense du fait français et à la vigueur des institutions d'enseignement et de recherche en français. La Fédération a d'ailleurs fait plusieurs sorties publiques ces dernières années pour appuyer les revendications pour le maintien de l'Université de l'Ontario français en 2018, la nécessité d'assurer un financement adéquat au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et plus récemment des déboires vécus par la communauté de l'Université Laurentienne. Alors, bien qu'il ne s'agit pas de notre juridiction et que notre appui a surtout une force symbolique, nous continuerons à appuyer nos collègues francophones et sommes heureux de l'occasion qui nous est fournie aujourd'hui pour renforcer ces solidarités avec les principales organisations qui portent cette responsabilité. Alors, ces quelques remarques étant faites, j'enchaîne sans plus tarder avec la présentation de notre animateur pour la séance d'aujourd'hui, M. François-Olivier Doré. M. Doré est professeur adjoint à l'Université du Québec à Chicoutimi, où il enseigne l'histoire du Québec et du Canada au 19e et 20e siècle, ainsi que l'histoire régionale. Ses recherches se partagent entre l'histoire culturelle et intellectuelle des savoirs au Québec, l'historiographie et l'histoire des francophonies minoritaires au Canada, en particulier l'Ontario français. Il est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC, et du comité de rédaction de la revue Recherche sociographique. À vous, M. Doré. Merci beaucoup, Hans, et merci aux organisateurs de cette activité qui est tenue, qui se tient en marge du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Alors, comme Hans l'a rappelé, il vous a pas échappé que la dernière année a été particulièrement mouvementée en matière d'éducation postsecondaire francophone hors Québec. Que l'on pense à ce qui s'est passé à l'Université Laurentienne, aux difficultés de recrutement aussi de l'Université de l'Ontario français à Toronto, qui a fait les manchettes pendant quelques temps, aux compressions budgétaires qui menacent l'avenir du campus Saint-Jean en Alberta, ou encore au déficit structurel de l'Université de Moncton, hein, dont le recteur nous annonçait pas plus tard que ce matin qu'il redoutait que son institution connaisse le même sort que celui de l'Université Laurentienne si les mesures mises en place ne donnaient pas de résultats. Alors, il semble bien que nous soyons arrivés à une sorte de point tournant dans l'histoire de l'éducation supérieure en francophonie canadienne. Mais bon, le Canada français n'en est pas à sa première crise scolaire, vous le savez, ni à sa dernière, fort probablement.
c'est un peu dans l'ADN de son histoire. Et comme toujours, il saura rebondir, non sans toutefois bon, faire le bilan, poser les constats et prendre un pas de côté pour réfléchir et mieux se projeter. Et donc, c'est un peu dans cet esprit que le présent panel a été organisé. Donc, un panel qui s'intéresse aux solutions qui peuvent être envisagées pour assurer l'accessibilité aux études postsecondaires en régions éloignées et au sein de la francophonie canadienne. Le panel abordera tout particulièrement les leçons que l'on peut tirer de la contribution du réseau de l'Université du Québec, qui depuis plus de 50 ans compte parmi ses missions justement l'accessibilité aux études supérieures et le développement des collectivités et des régions québécoises. Les panélistes aborderont aussi le rôle des différents gouvernements, celui des provinces et des territoires dans la pérennité du réseau de l'enseignement supérieur en français. Et finalement, il sera aussi question de l'avenir de la recherche scientifique en français. Alors, chaque panéliste disposera d'environ 15 minutes pour faire sa présentation. Alors, je les inviterai vraiment à s'en tenir autant que possible à ce temps qui est imparti. À la suite de quoi, à la suite de ces trois présentations, il y aura une période de questions et d'échanges avec le public qui nous mènera jusqu'à 12h30. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier panéliste, Jean Bernatché, qui est professeur-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. Il est politologue et détient un doctorat en administration et politique scolaire de l'Université Laval. Il possède en outre une expérience préalable de plus de 25 ans en gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche, en plus d'avoir été président du Congrès de l'ACFAS en 2015. Il enseigne dans le contexte du DESS en administration scolaire et de la maîtrise en sciences de l'éducation. Il est membre de plusieurs groupes de recherche, notamment membre du comité de direction du réseau Périscope sur la persévérance et la réussite scolaire. Alors, M. Bernatché, je vous cède la parole pour 15 minutes. C'est à vous. Merci beaucoup. Madame, monsieur, chers amis de la francophonie canadienne, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs particulièrement d'avoir pensé à moi pour témoigner de l'expérience du réseau de l'Université du Québec sur le plan de l'accessibilité aux études universitaires, aussi sur le plan du développement des collectivités et des régions québécoises. Je le fais à titre de professeur spécialisé en analyse des politiques de l'enseignement supérieur, membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur. Je le fais aussi comme membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est du Québec, qui est l'un des plus anciens regroupements institutionnels de recherche de l'Université du Québec, qui a été créé en 1974. Donc, dans ce contexte, je m'intéresse au processus de structuration des réalités humaines et sociales territorialisées et des dynamiques de développement régional également. Donc, c'est assez rare, mais mes deux champs d'intérêt se retrouvent réunis ce matin. C'est vraiment une occasion unique, puis ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Mais je m'adresse surtout à vous comme témoin de la contribution du réseau de l'Université du Québec, qui compte parmi ses missions, comme on l'a dit, l'accessibilité aux études puis le développement des collectivités des régions du Québec. Je suis professeur depuis 2007, mais j'ai aussi l'expérience depuis, en fait, je regardais ça ce matin, depuis le 1er juin 1981, donc 40 ans tout rond, de la gestion du développement de programmes de formation et de recherche, principalement dans le réseau de l'Université du Québec. Ma tâche principale, c'était alors de soutenir les établissements dans des projets concrets de développement de la programmation, puis également de la structuration en réseau des activités de recherche. Ce développement s'est fait très difficilement au sein de ce qu'on pourrait dire maintenant un écosystème complexe et mouvant qui n'était pas exempt de tensions à la fois à l'interne et à l'externe aussi. Donc, ce matin, je vais vous dire trois choses. Un, la crise que l'on vit actuellement, donc la crise de la COVID, mais aussi la crise de l'enseignement supérieur en milieu francophone canadien, est propice vraiment à une réflexion en profondeur sur le phénomène, puis également à la définition puis à la mise en œuvre de stratégies de développement qui pourraient être originales et ambitieuses. Deux, sur le plan des modalités, le développement en réseau des programmes de formation, c'est une avenue qui serait utile d'explorer en milieu universitaire francophone canadien. Et puis trois, sur le plan des finalités, bien, les programmes de formation pourraient être marqués par une approche transdisciplinaire.
Donc, en analyse des politiques, je suis inspiré dans mes travaux sur le plan épistémologique, notamment par le philosophe et sociologue français Edgar Morin, qui aura d'ailleurs 100 ans le 8 juillet prochain. Il est toujours actif sur Twitter pour les gens que ça intéresse. Lui, il propose le concept d'opti-pessimisme. Qu'est-ce que c'est? L'opti-pessimiste est une personne réaliste qui voit les périls, qui voit les dangers, mais c'est aussi une personne idéaliste qui fonde espoir en l'avenir. C'est une personne présente, elle écoute, elle baisse pas les bras, elle est responsable et engagée. Son leitmotiv, c'est qu'est-ce que je puis faire maintenant, ici et maintenant, pour moi, pour les miens, pour les membres de ma communauté et puis pour les autres aussi. Son espoir est teinté d'incertitude, donc elle navigue dans un fleuve d'incertitude qui est parsemé d'îlots de certitudes, comme le dit Edgar Morin. La personne opti-pessimiste n'est pas dogmatique et elle corrige son action au fil des événements. Une crise provoque la rupture d'un équilibre, donc c'est un terme qui est emprunté au vocabulaire médical comme dans « crise cardiaque », par exemple. Le concept évoque un changement rapide et brutal de l'état d'un système. Il est juste de parler d'une crise sanitaire, notamment dans le cas de la pandémie de COVID-19, mais cette pandémie génère aussi des crises sociales, politiques, économiques nombreuses. Elle engendre aussi une crise des valeurs, puis une crise de confiance à l'endroit des institutions. Il est juste aussi de parler de crise dans le cas de l'Université Laurentienne, au sens de la définition que je viens de donner, donc un changement rapide et brutal de l'état d'un système. Et le rapport Portrait et défi de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada, qui a été rendu public lundi dernier par l'ACFAS, confirme un problème qui est plus généralisé, donc un manque de soutien, un manque de reconnaissance, des tâches administratives et d'enseignement qui sont plus lourdes, des difficultés aussi à organiser des événements scientifiques en français. Les crises aggravent les incertitudes, mais elles favorisent aussi les interrogations. Elle stimule la recherche de solutions nouvelles, mais provoque aussi des réactions pathologiques. Une crise se présente comme une menace, mais aussi comme une occasion de rompre l'équilibre lorsque cet équilibre consacre des injustices. Bref, la période actuelle, qui est marquée par de nombreuses crises, est tout à fait propice, à mon avis, à une réflexion en profondeur sur le phénomène, puis à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de développement originales et ambitieuses. Deuxième chose maintenant, sur le plan des modalités, le développement en réseau des programmes de formation, c'est une avenue qui est utile d'explorer en milieu universitaire francophone canadien. Dans l'ouvrage sur l'histoire de l'Université du Québec, qui a été publié en 2018 pour les 50 ans du réseau, j'ai écrit le chapitre notamment qui porte sur l'expérience du développement en réseau des programmes, ce qui m'a amené à ce moment-là à faire une analyse quand même en profondeur du phénomène. C'est un mouvement qui s'amorce dès le début des années 1970, mais qui s'affirme particulièrement à compter des années 1980. Il implique que les constituantes du réseau planifient, créent, offrent et gèrent en partenariat un programme de formation. Donc, ce caractère partenarial se traduit de plusieurs manières, considérant le degré de collaboration souhaité. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'un réseau, c'est un groupe de personnes qui sont en relation les unes avec les autres, qui ont des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui sont complémentaires, qui ont également des intérêts communs. Selon la définition qu'en donne notamment Rénal Legendre dans son dictionnaire actuel de l'éducation, le réseau, c'est un filet social dont les nœuds sont des petits groupes d'individus reliés par des mailles qui s'enchevêtrent et qui représentent la concertation, l'échange et l'aide mutuelle aussi dans la poursuite de buts partagés. Donc, à la base du développement en réseau des programmes de formation, il y a des individus qui sont associés à des établissements différents qui souhaitent se concerter, ou du moins qui acceptent de se concerter, considérant la conjoncture, pour discuter et s'aider mutuellement dans la poursuite de buts communs. Le degré de concertation peut être plus ou moins grand, donc les modalités relatives à l'offre d'un programme doivent traduire dans un protocole ce degré de concertation souhaité. Puis c'est véritablement dans l'action que l'Université du Québec a élaboré les modalités qui traduisent les intentions recherchées, puis également les façons de faire. Ces modalités-là ont ensuite inspiré les autres universités québécoises. En fait, il y a trois cas de figure différents.
Il y a les programmes offerts conjointement, les programmes offerts en extension, et puis les programmes qui sont offerts en collaboration. Un programme est offert conjointement lorsque la gestion est partagée entre les établissements partenaires et placée sous la responsabilité d'un comité qui est composé de personnes rattachées aux différents établissements partenaires. Donc, à ce moment-là, l'admission et l'inscription se font dans l'un ou l'autre des établissements qui sont partenaires. Puis les effectifs sont comptabilisés dans les établissements d'accueil qui délivrent le diplôme. Un programme est offert en extension lorsque sa gestion relève de l'établissement d'accueil qui est responsable de l'admission, de l'inscription, de la diplomation. Les établissements partenaires offrent de façon autonome les activités, mais doivent rendre en fait des comptes à l'établissement qui est responsable. Pour le cas des programmes en extension qu'on nomme commandite ou de type commandite, à ce moment-là, l'offre est très ponctuelle, souvent limitée à une seule ou à deux cohortes. Puis on dit qu'un programme est offert en collaboration lorsque sa gestion relève de modalités particulières qui sont inscrites dans un protocole, mais qui ne correspondent pas exactement aux deux modèles précédents. Donc, en quelque sorte, c'est un modèle qui est hybride. Puis c'est le protocole qui va traduire les intentions des partenaires, par exemple en ce qui a trait au partage des responsabilités qui sont afférentes à sa gestion, aux mesures d'admission puis d'inscription, à la détermination aussi des établissements qui sont habilités à décerner le diplôme, aux modalités de partage des ressources, puis aussi à la durée de cette entente-là, puis éventuellement aux modalités de sa modification. De cette expérience de l'Université du Québec, il est possible de tirer trois enseignements. D'abord, le développement en réseau de programmes de formation permet l'offre dans les universités de programmes que ces universités-là seraient pas possibles d'offrir autrement. Donc, c'est un type de développement qui favorise la constitution de masse critique d'étudiants, de professeurs, le partage d'expertise, de ressources financières et matérielles, puis aussi la constitution de ce qu'on pourrait appeler une intelligence collective qui soit mieux distribuée et coordonnée à ce moment-là. Ensuite, un soutien réseau financier, logistique et professionnel est essentiel. Donc, à ce développement-là, notamment à toutes les étapes de la séquence, ce qui va de l'émergence du projet de partenariat à son élaboration, à sa mise en œuvre, puis également à son évaluation. Puis finalement, le développement en réseau des programmes de formation, c'est avant tout une réalité scientifique et culturelle qui répond à une logique où les modalités de gestion sont au service des personnes et non pas l'inverse. Donc, maintenant, le troisième point que je veux aborder avec vous. Donc, sur le plan des finalités, les programmes de formation pourraient être marqués par une approche transdisciplinaire. C'est quelque chose dans laquelle je crois beaucoup. Donc, la transdisciplinarité, en fait, veut déborder les champs disciplinaires pour envisager l'objet d'étude dans sa complexité. Ce processus d'intégration et de dépassement des disciplines a pour objectif la compréhension de la complexité du monde. Est complexe ce qui est multiple et incertain, donc selon la définition encore là d'Edgar Morin. Puis on le sait, les phénomènes naturels et culturels sont éminemment complexes. Donc, d'un point de vue transdisciplinaire, l'espace entre les disciplines est plein, comme le vide quantique un peu est plein de potentiel. À ce moment-là, selon le physicien Niels Bohr, qui propose non pas le mot que l'on doit plutôt au psychologue et biologiste Jean Piaget, mais plutôt le concept de transdisciplinarité dans son essence. Puis depuis 1994, notamment, il y a une charte internationale de transdisciplinarité en enseignement supérieur qui est promue, avec comme objectif de donner une orientation commune aux disciplines, de les centrer véritablement à ce moment-là sur les besoins et les défis de l'humanité. Historiquement, dans les programmes de formation à l'Université du Québec, le fait d'innover sur le plan transdisciplinaire traduit une nécessité politique et une volonté créatrice, à la fois les deux. Les universités traditionnelles souhaitaient pas que l'Université du Québec déploie ses programmes dans tous les secteurs, les privant à ce moment-là des étudiants et des ressources qui y étaient associées. Par le Conseil des universités qui existait à l'époque, la Conférence des recteurs et des principaux des universités du
du Québec qui existait également à l'époque. Les universités traditionnelles exerçaient une forme de contrôle aussi sur le déploiement des activités de l'Université du Québec. Parce qu'elles ne pouvaient pas s'investir dans des créneaux disciplinaires qui étaient la chasse gardée des universités traditionnelles, bien, l'Université du Québec, véritablement depuis 50 ans, a exploré des domaines de formation nouveaux qui se démarquent de la logique disciplinaire en privilégiant la transdisciplinarité et ce qu'on pourrait appeler aussi l'approche orientée objet, donc caractéristique d'un nouveau mode de production des connaissances qui allait devenir, principalement à compter des années 90, le paradigme dominant. Ainsi, au fil des ans, donc, l'Université du Québec a créé des programmes de formation inédits dans des domaines tels que l'écologie, la sexologie, la mode, le tourisme, l'océanographie. Comme il n'était pas possible de faire un déploiement tout azimut, des pôles d'excellence d'enseignement et de recherche ont été développés. Notamment, ce qui est assez particulier, les trois pôles de l'Université du Québec à Rimouski, en enseignement et en recherche également, sont associés étroitement au territoire. Donc, il y en a trois, les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité. Vous l'aurez remarqué aussi, les deux groupes de recherche dont j'ai fait mention plus tôt sont aussi caractérisés par cette approche orientée objet. Donc, j'ai parlé du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, dont l'objet est l'enseignement supérieur, et le groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est du Québec. À ce moment-là, l'objet, c'est le développement régional. Dans cette perspective, donc aussi, je ne peux que saluer la stratégie de l'Université de l'Ontario français de miser sur une telle approche transdisciplinaire pour orienter le développement de sa programmation. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je rappelle les trois messages. Donc, le premier, la crise que l'on vit est propice à la définition puis à la mise en œuvre de stratégies de développement originales et ambitieuses. Deux, sur le plan des modalités, le développement en réseau des programmes de formation, ben, c'est une avenue qui serait utile d'explorer en milieu universitaire francophone canadien. Et puis trois, donc, sur le plan des finalités, les programmes de formation pourraient à ce moment-là être marqués par une approche qui s'avère davantage transdisciplinaire. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Bernatchez, pour cette présentation bon, qui ouvre déjà plusieurs pistes de questions, plusieurs parallèles aussi avec la francophonie canadienne. On aura l'occasion d'y revenir durant la période de questions. Merci. Alors, sans plus tarder, on va passer maintenant à notre second panéliste, Carl Bélanger. Carl Bélanger, qui est conseiller politique de l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université. Il a passé près de 20 ans sur la colline du Parlement à Ottawa. Au cours de sa carrière, il a servi 4 chefs successifs du NPD. Après avoir complété son mandat de directeur national du parti en 2016, il s'est retiré de la politique active pour devenir consultant en communication stratégique et relations publiques. Il est aussi analyste politique pour le réseau COGECO. Carl Bélanger est également président de la Fondation Douglas Caldwell, un organisme sans but lucratif dont le mandat est de promouvoir justement l'éducation et la recherche, plus particulièrement sur la social-démocratie au Canada. Alors, Carl Bélanger, la parole est à vous. Merci beaucoup. Très content d'être là encore une fois. Tout d'abord, je veux mentionner, comme on l'a dit, que les problèmes dans le secteur d'éducation postsecondaire, dans les milieux francophones minoritaires ou des institutions bilingues existaient bien avant la pandémie. On était déjà sur une trajectoire alarmante, mais évidemment, comme bien d'autres secteurs, les problèmes qu'on connaissait ont été exacerbés par la pandémie. La question clé, la question qu'on se pose maintenant, c'est quel est l'avenir dans un monde post-pandémie? Est-ce qu'on pourra voir, par exemple, une amélioration à court terme? Ça semble difficile. On est plus en situation de sauvetage, sauver les meubles avec les situations financières des différents gouvernements. Alors, il faudrait plutôt viser le moyen terme. Et donc, je renchéris ce que M. Bernatchez vient de dire sur la réflexion qu'on doit avoir. Ça fait partie de ce qu'on fait présentement et de ce que le sommet nous offrira dans les prochains jours. Les contextes politiques actuels varient d'une province à l'autre, mais il y a une chose qui demeure la même, peu importe la juridiction provinciale, fédérale, territoriale, on a des déficits comme on n'a jamais vu
au sein des gouvernements, ce qui amène plusieurs à craindre des politiques d'austérité qui seront mises de l'avant par les différents gouvernements pour tenter de maîtriser ces déficits, pour tenter de ramener les finances publiques à un équilibre budgétaire. Il y aura des défis importants de la part des provinces, évidemment. Problème pour les communautés francophones, particulièrement dans des régions où ils sont peu nombreux, c'est qu'ils ont souvent fait les frais de ces programmes d'austérité économique. Il faut comprendre que dans plusieurs provinces, l'électorat francophone n'a pas un poids significatif. Ce qui fait que pour un gouvernement, ça ne coûte pas cher en termes de vote. C'est ce qu'on a vu souvent. Même en Ontario, du côté du Parti conservateur, on l'a vu dans le passé, on a tenté de cibler les institutions francophones. On peut penser à Montfort, on peut voir ce qui se passe présentement dans différentes universités. Ça ne coûte pas cher pour le Parti conservateur en termes de vote parce que ce n'est pas un électorat qui est habituellement porté à voter pour le Parti conservateur. Évidemment, en agissant de la sorte, on met un peu une croix là-dessus. Bref, donc, tous ces arguments économiques seront utilisés un peu partout au pays au cours des prochains mois, prochaines années même. La question des finances publiques sera un enjeu lors des prochaines élections, autant au fédéral qu'au provincial. Évidemment, le calendrier électoral présentement, tel que prévu, est peu chargé. Au niveau des provinces, il n'y en a pas de prévu pour 2021. Il y a le Nunavut qui aura des élections générales, mais évidemment, la clé, c'est quand sera l'élection fédérale. Alors, si vous me demandez de faire des prédictions, je vais m'abstenir parce que, bon, la dernière prédiction que j'ai faite, c'était les Maple Leafs en 5 et ça n'a pas très fonctionné. Alors, on va s'en tenir à ça, mais on parle beaucoup de l'automne considérant les signaux qu'on entend à Ottawa. Quand on parle de politique d'austérité, évidemment, on parle beaucoup habituellement des gouvernements conservateurs. On a les gouvernements conservateurs de Doug Ford, de Jason Kenney notamment, Brian Palliser au Manitoba également, qui ont amorcé à certaines mesures des politiques d'austérité même avant la pandémie. On s'attend à ce qu'ils continuent dans cette veine-là. Ils sont quand même sous pression présentement, hein, faut le dire. Ce sont les trois premiers ministres qui ont la moins bonne cote de popularité. Et l'opposition va faire campagne pendant les prochains mois, mais jusque pendant l'élection, contre l'austérité. Donc, on n'a pas les coups des franches là, du côté de ces trois premiers ministres-là. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour d'autres premiers ministres comme Scott Moe, comme peut-être même François Legault à ce niveau-là, qui jouissent d'une grande cote de popularité et donc d'une plus grande marge de manœuvre. Ceci dit, au-delà de ces questions financières, on doit noter qu'il y a quand même une sensibilité politique plus grande à travers le pays pour les questions linguistiques et pour le fait français. Par exemple, les dossiers du campus Saint-Jean, dossiers de l'Université Laurentienne, l'importance de l'enseignement postsecondaire en français sont des questions qui sont soulevées régulièrement par l'opposition dans les législatures en Ontario, en Alberta. Cette semaine, d'ailleurs, il y avait des questions dans les deux cas. Le NPD de l'Alberta qui posait des questions sur pourquoi le gouvernement conservateur n'investit pas plus pour le campus Saint-Jean et ainsi obtenir de l'argent du fédéral qui est là, qui est disponible, mais qui doit être combiné avec des fonds provinciaux. Donc, ces enjeux-là font partie du débat politique. À Ottawa, il y a un regain d'intérêt certain envers les langues officielles. On sait que la ministre des langues officielles, Mélanie Joly, a déposé un plan de réforme pour les langues officielles. Bon, on est encore au stade des intentions, des idées. C'est certain qu'on n'est pas dans un projet de loi, mais quand même, il y a une volonté de changer, de prendre en considération les besoins des communautés, les besoins de maintenir des institutions fortes pour l'épanouissement de ces communautés-là. Donc, ça sera, et je vais revenir dans quelques instants. Il y a le projet de loi 96 aussi, projet de loi 96 du gouvernement du Québec, qui n'a pas vraiment déclenché, enfin pas encore, déclenché une tempête majeure au Canada anglais. En fait, parmi les forces politiques, là, il y a quasi-consensus. Il n'y a que le Parti vert qui semble s'y opposer à cette loi 96. Faudra voir si le Parti vert a l'intention de devenir le Reform Party des années 2020 et faire vraiment cavalier seul pour tenter d'attiser
peut-être un sentiment anti-francophone, anti-français qu'on peut trouver au Canada et tenter. Ça me surprendrait. Est-ce que ça pourrait être le Maverick Party, par exemple, qui est un peu l'héritier de l'esprit réformiste qui est en voie de gestation dans l'Ouest canadien? Peut-être. On sait que dans le passé, surtout lorsqu'on parle de la langue et de la Constitution, ça mène à des crises majeures. Pour l'instant, on est encore au niveau du murmure en ce qui a trait à l'attention et l'intérêt qui est porté au projet de loi 96. Parenthèse ici, le projet de loi 96 qui prévoit une responsabilité pour le gouvernement du Québec de faire la promotion, de valoriser le français ailleurs au Canada et qui inclut des mesures concrètes, disons, comme l'élimination des frais, de la surcharge pour les frais de scolarité pour les étudiants, étudiantes des communautés francophones ailleurs au Canada qui s'inscriveraient dans les établissements d'éducation postsecondaire au Québec, avec une clause indiquant qu'ils doivent étudier dans un programme qui n'est pas offert en français dans leur province d'origine. C'est une clause, évidemment, pour tenter d'apaiser les craintes de certaines communautés francophones qui pourraient voir cette option offerte à leurs étudiants comme une possibilité d'un exode des jeunes. Évidemment, cette clause-là, on dit si vous voulez aller dans un tel programme, c'est disponible dans votre province, vous devez rester là ou à tout le moins payer la surcharge. Mais est-ce que ça pourrait inciter des étudiants à venir au Québec dans un autre programme à cause de cette offre-là? Bien, on verra. Mais c'est quand même un développement intéressant pour les francophones du pays. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Je veux parler de certaines décisions politiques qui ont été prises dans la foulée des problèmes financiers de certaines institutions postsecondaires, notamment la décision d'utiliser les tribunaux pour se battre contre l'accès postsecondaire en français. Premier cas, évidemment, c'est ce qui se passe en Alberta autour du campus Saint-Jean, où il y a un litige entre l'ACFA et le gouvernement de l'Alberta par rapport au campus Saint-Jean. L'Alberta n'y va pas de main morte pour se battre. Un budget de 1,5 million de dollars en frais d'avocat contre l'ACFA. C'est vraiment David contre Goliath. Il y a beaucoup de facettes à cette cause, évidemment, mais ce qui est très intéressant et ce qui pourrait être lourd de conséquences selon le jugement, c'est les arguments concernant l'article 23 de la Constitution sur les droits des minorités linguistiques qui protègent l'éducation, l'instruction dans la langue officielle de la minorité partout au pays depuis 1982. Jusqu'ici, l'interprétation qui était que l'article 23, ça s'appliquait surtout jusqu'à l'école secondaire. L'argument qui est fait, c'est que l'article 23 de la Charte doit s'étendre aux besoins d'avoir des enseignants, des professionnels de l'éducation, des gens qui soient en mesure de fournir cette éducation-là dans la francophonie canadienne. Et pour ça, ça prend des institutions postsecondaires pour les former. Alors, est-ce que cet argument aura l'oreille des juges? Faudra voir. Est-ce que le bon fonctionnement du système scolaire est couvert par l'article 23, donc le besoin d'avoir des professeurs formés en français dans les différentes provinces? Il y en a qui disent que c'est un peu tiré par les cheveux, qu'on tente d'étirer l'élastique de l'article 23. On verra bien. Ce qu'on peut comprendre, cependant, c'est que il y a eu un jugement récemment de la Cour supérieure du Québec qui a déjà étiré l'interprétation de l'article 23 sur les droits des minorités linguistiques. C'est un jugement sur l'application de la loi 21 au Québec sur les symboles religieux. Donc là, on a les droits linguistiques des minorités qui sont garantis et qui, selon le jugement, semblent donner un droit à une culture politique distincte qui repose sur une conception de la culture. Donc, on pourrait peut-être voir ici qu'il y a au niveau des tribunaux, certainement une certaine possibilité là, d'étirer la portée de l'article 23. C'est à suivre parce qu'évidemment, ça aura des implications partout au pays. Je veux parler également de la décision qui a été une première au pays de l'Université Laurentienne d'utiliser la loi sur les arrangements avec les créanciers. C'était une première au pays et on a entendu, là, peut-être pas une dernière. D'ailleurs, recteur de l'Université de Moncton et gens du campus Saint-Jean étaient au comité des langues officielles de la Chambre des communes hier et ont mentionné que
ils pensaient que la direction vers laquelle leurs institutions se dirigeaient n'était pas très loin derrière, essentiellement, ce que le processus que l'Université Laurentienne a fait. Donc, c'est inquiétant. En partant, le choix de l'université est discutable, hein, d'utiliser cette loi qui est conçue pour les entreprises, pour les corporations, pour se protéger en tant qu'institution postsecondaire. Mais ce qui passe plus sous silence, c'est le choix politique des gouvernements de l'Ontario et du gouvernement fédéral de ne pas intervenir avant que l'Université Laurentienne déclare son insolvabilité. C'était quand même une décision qui a mené au processus qui est en cours, toujours en cours présentement à la Laurentienne et aux problèmes qui en découlent. Faut mentionner qu'il y a un projet de loi présentement d'initiative privée pour amender la loi pour exclure les institutions postsecondaires, mais c'est on est loin de la coupe aux lèvres à ce niveau-là. Un mot rapidement sur le Nouveau-Brunswick où on a un premier ministre, Blaine Higgs, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un ancien membre du CORE, hein, le Confederation of Regions, qui est un parti qui avait essentiellement comme élément électoral principal l'abolition du principe des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick. Higgs a renié le passé politique, là, mais disons franchement que ce n'est pas un champion des droits des francophones. On le voit dans son traitement de la loi sur les langues officielles et de la tentative de modernisation, mais il demeure quand même que le régime linguistique du Nouveau-Brunswick est probablement un des plus forts, enfin, c'est le plus fort au pays par rapport à la communauté francophone et ses institutions. S'il y avait une tentative d'y aller d'austérité, ce serait difficile de cibler seulement l'Université de Moncton, par exemple, à moins de couper dans les budgets de l'ensemble des universités. En conclusion, un mot sur le rôle du fédéral. La question linguistique, une compétence accessoire au Canada, c'est-à-dire que le fédéral, le provincial ont des responsabilités par rapport aux langues officielles dans leur propre domaine de compétences. La différence, évidemment, c'est que le gouvernement fédéral a toujours une capacité d'utiliser son pouvoir de dépenser. Et c'est là où la réforme des langues officielles peut mener à certains changements radicaux, peut-être voir le gouvernement fédéral devenir un véritable partenaire au niveau du financement des institutions postsecondaires au pays. C'est une possibilité qui est là, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Il faudra voir, on voit que le fédéral a intervenu dans le budget au niveau de la petite enfance, par exemple. Est-ce qu'il y a possibilité que le fédéral prennent vraiment un rôle actif, deviennent un véritable partenaire, ou s'il va continuer de se contenter d'y aller à la pièce, comme on l'a vu dans le cas de l'Université de l'Ontario français, comme on l'a entendu là, sur la possibilité de fournir 5 millions de dollars à l'Université Laurentienne, ou si on pourrait vraiment enchâsser ce droit de l'éducation postsecondaire en français dans la francophonie minoritaire au Canada, dans la loi, bien, ça reste à voir. C'est certain que Mélanie Joly semble ouverte à cela. Ceci dit, dans un contexte post-pandémique où tout le monde tire la couverte de leur bord pour la relance économique et les dollars qui y seront associés, ce ne sera pas facile pour l'éducation postsecondaire d'obtenir sa part du lion, surtout que le fédéral, ce n'est pas nécessairement son premier réflexe de viser les universités et les institutions postsecondaires. Alors, il faudra monter la pression sur le gouvernement fédéral et en fait, le dossier de l'Université Laurentienne nous enseigne qu'il faut vraiment comprendre que le gouvernement fédéral est un gros bateau. Et les représentations que l'Université Laurentienne a faites auprès du député fédéral Paul Lefebvre de Sudbury en décembre, avant qu'on demande la protection contre les créanciers, ben, ça ne s'est jamais rendu aux oreilles de Mélanie Joly. Mélanie Joly elle-même a fait cette déclaration au Comité des langues officielles. Alors, c'est pour vous dire que les besoins des institutions postsecondaires ne se rendent pas nécessairement aux acteurs qui pourraient prendre les décisions. Il faudra, si on veut vraiment que le gouvernement fédéral utilise sa capacité, ses ressources pour aider et jouer son rôle de protecteur des minorités, des langues officielles partout au pays, il faudra évidemment qu'il soit investi et il faudra qu'on fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il devienne un interlocuteur plutôt qu'une arrière-pensée ou un sauveur qui arrive à la dernière minute. Je m'arrête là-dessus, j'ai hâte d'entendre vos questions et d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Carl Bélanger, pour cette présentation qui met bien la table pour comprendre le contexte politique dans lequel on doit naviguer pour tout le moins la prochaine année
ou les prochaines années. On va passer maintenant à la présentation de Sophie Montreuil, qui est directrice générale de l'ACFAS depuis décembre 2019. Elle assume ce rôle après avoir assuré des postes de direction à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ, et aussi à l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Madame Montreuil est détentrice d'une maîtrise de l'Université de Montréal et d'un doctorat de l'Université McGill en langue et littérature française. Alors, Madame Montreuil, je vous cède la parole pour clore ce panel. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie tout d'abord l'ACPU et la FQPPU pour l'invitation à prendre la parole au sein de ce panel important dans le cadre de notre nouvel événement, la vitrine des savoirs. Je me permets de remercier aussi beaucoup, elle est en coulisses, Laura Pelletier, qui est responsable chez nous des... Oui, s'il vous plaît, si vous la connaissez, vous allez avoir envie de l'applaudir, qui est responsable chez nous des dossiers avec concernant la francophonie canadienne en situation minoritaire. C'est ma complice de tous les jours, Laura. C'est mon accompagnatrice dans tous ces importants dossiers. Alors, je tiens à saluer ses compétences et sa grande connaissance du dossier. Je voudrais faire référence à ce que M. Bernatchez a dit. Une crise, ça peut être un moment propice et relever certains des éléments que Carl Bélanger a présentés. Je faisais la liste, une liste en vous écoutant parler de ce qui me semble effectivement être un moment qui pourrait être propice. Et je me disais peut-être que la prochaine édition de la vitrine des savoirs, on pourrait revenir sur la situation et voir si ça a bougé ou pas, en se croisant les doigts. Mais donc, hier, vous en avez parlé, la révision de la loi sur les langues officielles. La CRAS a déposé un mémoire il y a une dizaine de jours. Je pourrais vous en reparler si vous le souhaitez. Il y a la semaine dernière, ou il n'y a pas très longtemps, le rapport du commissaire aux langues officielles qui fait état nommément des situations du campus Saint-Jean et de la Laurentienne qui demandent au fédéral d'appuyer financièrement. Il y a le 5 millions de dollars annoncé par la ministre Joly, Carl vient tout juste d'en parler. Du côté québécois, il y a le projet de loi 96, on en a parlé aussi. Il y a aussi, peut-être que vous êtes un peu moins informés de ça, mais je pense que c'est un levier qui pourrait être important. Il y a un travail de consultation qui se tient à l'heure actuelle en vue de la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. La stratégie actuelle vient à terme en 2022, donc il y a un grand mouvement de consultation, il y a eu un appel à mémoire, on en a déposé un aussi, et donc il y a peut-être une possibilité là, d'aller obtenir du financement, parce que la stratégie, c'est un véhicule de financement pour la recherche et pour l'innovation de Québec, mais ça peut peut-être s'étendre à la recherche en français. Évidemment, je ne peux pas ne pas faire référence au rapport qu'on a déposé lundi. M. Bernatchez y a fait référence. La CUFC, de concert avec la FCFA, a annoncé des états généraux sur l'enseignement postsecondaire. La semaine prochaine, il y a le sommet sur le rapprochement des francophonies organisé par le gouvernement du Québec et la FCFA également. Il y a l'Université libre du Nouvel-Ontario qui tient ses activités en ce moment-ci et qui aura l'événement Franco-Parole 3 qui se tiendra en juin, si je ne m'abuse. Donc, il s'en passe des choses et j'ose espérer. Je pense que je suis une opti-pessimiste. J'aime beaucoup cette expression. J'ose espérer qu'il y aura des avancées significatives et durables pour l'enseignement postsecondaire et la recherche en français au Canada. Fin de cette petite parenthèse. En raison du mandat de l'ACFAS, je vais me concentrer sur l'aspect recherche, donc recherche en français au Canada, notamment en situation minoritaire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous rappelle que l'ACFAS a été fondée en 1923. Donc, on arrive très, très, très bientôt à notre 100e anniversaire. Coup d'envoi au congrès de mai 2022, apothéose au congrès de mai 2023, et il est clair pour nous que nos actions en soutien à la francophonie canadienne en matière de recherche vont s'inscrire dans la programmation du 100e anniversaire. C'est un fait établi pour nous.
Je vais donc faire une présentation en trois parties, si j'ai le temps. J'ai déjà ajouté du contenu à ma présentation. Je vais donc, dans un premier temps, faire un rapide résumé des actions de l'ACFAS en francophonie minoritaire canadienne. Je vais vous expliquer pourquoi, à nos yeux, il est absolument important de soutenir la recherche qui se fait au Canada en français. Et je vais me permettre de résumer assez rapidement, en troisième partie, quelques-unes des recommandations qu'on a, qui, sur lesquelles se clôt le rapport qu'on a dévoilé lundi. Alors, première partie, résumé de nos actions en francophonie minoritaire canadienne. Je me penche sur mes notes, je vais essayer de vous regarder le plus possible. Depuis les années 50, l'ACFAS a des secrétariats régionaux en contexte minoritaire, qui sont devenus dans les années 80 des sections régionales. Aujourd'hui, nous avons 5 sections régionales que nous appelons le réseau des ACFAS régionales. Ce sont l'ACFAS, c'est d'est en ouest du pays. Ce sont donc l'ACFAS Acadie, l'ACFAS Sudbury, l'ACFAS Manitoba, l'ACFAS Alberta et l'ACFAS Saskatchewan. Nous avons mis sur pied et nous coordonnons depuis 3 ans un important comité au sein de notre organisation qui s'intitule le Comité pan-canadien de la recherche en français. Ce comité rassemble d'une part des organismes pan-canadiens francophones ou bilingues du milieu de la recherche et il rassemble aussi des chercheurs des différentes provinces canadiennes. L'ACFAS a pris position sur plusieurs dossiers pan-canadiens dans les dernières années. Nous avons soutenu l'Université de l'Ontario français. Nous avons dénoncé les coupes dans le financement du campus Saint-Jean l'Université de l'Alberta. En 2019, nous avons bâti un document de témoignage de chercheurs francophones travaillant en contexte minoritaire, ce qui nous a permis d'obtenir du financement de patrimoine canadien pour lancer l'étude dont nous avons dévoilé les résultats lundi dernier, donc une étude qui s'est déployée sur 2 années. En 2020, et là, ça m'inclut parce que je suis arrivée en décembre 2019, nous avons mené d'importantes consultations auprès de notre communauté, certaines sur place. J'ai eu la chance, juste avant la pandémie, au tout début de mars 2020, de me rendre dans l'ouest du pays, en Alberta et en Saskatchewan, pour d'une part rencontrer les membres qui animent nos ACFAS régionales et rencontrer plus largement les professeurs et qui font de la recherche en français. Nous avons évidemment, à raison de la pandémie, poursuivi cette tournée de consultation en format virtuel. Et c'est beaucoup grâce à ces consultations, de nombreuses personnes, de nombreuses organisations ont été consultées, qu'on a pu élaborer les recommandations dont nous faisons part dans notre rapport. Et plus récemment, nous avons soutenu le projet d'Université libre du Nouvel-Ontario. Nous avons fait paraître un mémoire adressé au gouvernement du Québec en février dernier. Peut-être que Laura pourra mettre le lien dans la conversation. Un mémoire qui explique en quoi les milieux de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent contribuer grandement au rapprochement des francophonies canadiennes. Vous devinerez que c'est un élément important que je vais tenter de faire valoir la semaine prochaine lors du sommet. Et donc, la semaine dernière, je faisais référence, nous avons envoyé au comité sénatorial des langues officielles un mémoire qui présente des recommandations et notre avis sur le document de réforme de la loi sur les langues officielles. Deuxième partie, pourquoi, selon nous, faisons-nous l'ensemble de ces actions? Pourquoi il est important pour l'ACFAS, mais plus largement pour la société canadienne, nous le croyons fermement, pourquoi il est important de soutenir l'enseignement post-secondaire et la recherche en français? Je parlerai des chercheurs, des universités et de la recherche en elle-même. Les chercheurs, évidemment, contribuent à l'avancement des savoirs. Ils sensibilisent et informent les citoyens et les citoyennes sur des sujets de grande importance, notamment en vulgarisant des recherches et des enjeux sociaux dans les médias francophones locaux, en siégeant également sur des conseils d'administration de nombreux organismes et en soutenant des projets communautaires au sein de leur localité, de leur région ou de leur province. Les chercheurs développent des connaissances cruciales à la prise de décisions éclairées de nos gouvernements, décisions prises par les gouvernements provinciaux et par notre gouvernement fédéral. Les universités francophones et bilingues
de leur part, sont au cœur, on le sait, du développement des communautés francophones au Canada. Le rôle qu'elles jouent dans ces communautés sont multiples. Elles créent un espace de vie intellectuelle, culturelle. Elles sont un vecteur d'enrichissement, un lieu de dialogue de France en français en contexte minoritaire. Les universités francophones et bilingues créent des citoyens et des citoyennes, c'est important, qui sont capables de travailler dans les deux langues officielles du Canada. Permettez-moi une petite parenthèse éditoriale. Actuellement, la relève reçoit un message, on va dire regrettable, un triste constat, que l'éducation postsecondaire en français n'est pas une priorité partout au pays. C'est un constat décevant, car les écoles d'immersion, on le sait, débordent d'un bout à l'autre du pays. Les jeunes s'intéressent au français et souhaitent poursuivre leurs études dans cette langue et éventuellement s'engager dans leur communauté. Vous me voyez toujours? Mon image a changé. Je comprends oui. que vous... Oui, vous moi, voyez. Je vous vois toujours, oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Quelques mots sur l'importance de la recherche. La recherche est un pilier des établissements postsecondaires. Elle enrichit ces établissements, bien entendu. Elle enrichit également la société dans son ensemble. Elle produit des données essentielles pour que les décideurs dans tous les secteurs d'activité prennent des décisions éclairées. À cet égard, il est absolument fondamental que la recherche soit rendue disponible dans la langue des citoyens et des citoyennes et des professionnels des communautés francophones pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs domaines respectifs. Il est en outre impératif qu'ils se fassent de la recherche en français afin que les chercheurs et les chercheuses développent en tant que collectivité un vocabulaire francophone, une expertise francophone, un vocabulaire précis, riche, essentiel pour parler des recherches dans les médias et dans les classes des différents niveaux d'études. C'est un message important. Il faut comprendre que quand les universités, les campus et les programmes francophones sont fragilisés, la recherche aussi est touchée. Et pour qu'il y ait de la recherche en français qui se fasse partout au pays d'Est en Ouest, nous avons absolument besoin d'établissements sains, forts, de programmes en français forts, sains et stables. J'arrive à la troisième partie. Je pense que je vais être bonne dans le temps, mais vous continuez à m'aviser, s'il vous plaît, Nicole. Je vais rapidement donc évoquer quelques-unes des recommandations qui font partie du rapport que nous avons dévoilé lundi. Pour l'ACFAS, la pérennité de la recherche et de l'enseignement postsecondaire en français au Canada repose sur deux principes fondamentaux. Le premier, la collaboration interuniversitaire qui permet de multiplier les services, les ressources, les possibilités, les occasions. Cette collaboration peut se faire, comme expliqué par M. Bernacchi tantôt, aussi par la voie de la recherche et par le réseau. Deuxièmement, deuxième principe absolument important, le soutien des gouvernements pour assurer, on ne le dira jamais assez, une pérennité des institutions et investir dans des projets porteurs pour la société. Des souhaits, des actions possibles, le fédéral devrait assurer un soutien stable aux établissements universitaires francophones, et ça peu importe les actions du gouvernement provincial où sont situés les établissements. Et l'obligation actuelle, vous le savez, que les fonds du fédéral soient égalisés par les provinces, ce n'est pas le moteur attendu, c'est possiblement un frein, un obstacle qui nuit à plusieurs communautés francophones quand, évidemment, leur gouvernement provincial se désengage de l'enseignement et des programmes en français. Le prochain plan d'action sur les langues officielles du Canada devrait inclure un volet concernant le postsecondaire et la recherche. C'est un élément important du mémoire qu'on a déposé, car il faisait référence. Je pense qu'il devrait y avoir un ancrage législatif pour que le continuum d'éducation du primaire au postsecondaire soit enchâssé nommément dans cette loi. Voilà.
J'arrive aux recommandations. Donc, nous avons identifié des actions à prendre pour relever quatre principaux défis. Le premier défi qui ressort de notre étude est le manque de soutien offert aux chercheuses d'expression française sur leur campus. Nous avons proposé une recommandation importante. Ce n'est pas la plus importante, mais c'est une recommandation, je pense, structurante, c'est ce que l'on souhaite. La création d'un service d'aide à la recherche en français au Canada, qu'on appelle déjà entre nous le SARF, afin d'assurer l'épanouissement de l'espace de recherche en français. La fonction principale de ce service serait celle d'un bureau de liaison, encourageant une collaboration et favorisant la création d'ententes entre les universités canadiennes de langue française ou anglaise. Je coupe un peu court parce que le temps passe vite. Deuxième défi qui ressort de notre étude, c'est l'accès aux ressources pour faire de la recherche. Nous recommandons à cet égard que les agences subventionnaires fédérales prévoient des fonds et des programmes pour que les petites universités ainsi que les campus et bureaux universitaires francophones, afin de les aider à développer leurs activités de recherche. Troisième défi, la diffusion de la recherche en français pour consolider donc l'espace de la recherche en français. La diffusion des résultats de cette recherche est absolument cruciale. Parmi nos recommandations, nous recommandons à Patrimoine canadien, que Patrimoine canadien pardon, et les gouvernements provinciaux mettent sur pied un fonds en soutien aux presses universitaires et aux autres activités de diffusion des savoirs en français, telles que les revues scientifiques et les revues et les médias de vulgarisation scientifique. Nous recommandons également que toutes les agences subventionnaires fédérales s'assurent que leur programme de soutien à l'édition savante soit équitable, en consacrant des fonds suffisants aux revenus francophones en contexte minoritaire afin de garantir, mais aussi leur pérennité. Enfin, quatrième et dernier défi, et je conclurai là-dessus, assurer une évaluation équitable et une valorisation de la recherche en français. Ce que nous recommandons, et je coupe court un peu, c'est que les agences subventionnaires de recherche et les universités adoptent une politique empêchant le recours en comité d'évaluation à des arguments évoquant le facteur d'impact des revues ou la qualité de l'université d'attache. Mon temps est écoulé. Je veux simplement dire que ces recommandations, nous les avons fait nôtres avec les chercheurs avec qui nous avons travaillé. Éric est avec nous, je crois. Nous ne voulons pas être les seuls à les porter. Nous avons besoin d'alliés pour les faire connaître, pour les défendre et pour travailler à leur mise en œuvre. Alors, notre porte est toute grande ouverte. Je vous remercie.